Et Madame Lindemann. Je crois qu'il faut insister, comme l'a fait notre collègue Jomier ou Madame Cohen et d'autres collègues, sur le changement radical de modèle qui est en cours et les conséquences à moyen et long terme. Parce que dans l'instant T, pour un citoyen pas habitué à nos débats, que ça vienne des poches de l'État ou des poches de la sécurité sociale, au bout d'un moment, il y a des contribuables. Sauf que la réalité, c'est qu'il n'y a pas les mêmes contribuables. Et qu'on se met devant une situation où la pression est faite pour qu'on nous explique. C'est une arme de dissuasion massive. Notre modèle est caduque parce qu'il est déficitaire. On ne dit pas, ben voilà, l'État est en déficit. Bon, alors vous me direz, oui, vous dites qu'il faut supprimer quasiment l'État puisque vous êtes pour la baisse de la dépense publique toujours. Mais la réalité, c'est qu'il y a une finalité derrière. Il y a aussi des gens qui vont en profiter. Qui va profiter de l'affaiblissement de la sécurité sociale au-delà du fonctionnement des hôpitaux publics? C'est des systèmes soit assurantiels privés, soit du secteur privé. C'est-à-dire que plus on donnera le sentiment que notre système ne couvre pas correctement les risques, eh ben plus vous développez l'assurantiel individuel et privé. Et donc, il y a des non seulement on change de modèle, mais c'est au profit de toute une série de logiques qui est notamment tous ceux qui veulent soit l'assurance, soit la privatisation. Donc, on est là vraiment subrepticement. On voit comme ça se dégrader de manière pérenne et durable, avec le sentiment que finalement, le coût du travail serait la cause de tous nos problèmes, que les cotisations seraient élevées et donc qu'on ne peut même plus les compenser. La réalité, c'est que depuis qu'on baisse le coût du travail, on ne fait que perdre en attractivité et on désindustrialise massivement le pays. C'est qu'on se trompe de cause. Ce n'est pas la question des cotisations et du coût du travail qui nous plombe, qui est dans certains domaines. Non, ça n'est pas cela. Parce que sinon, depuis le temps qu'on les baisse, on devrait voir des améliorations de notre compétitivité, ce qui n'est pas le cas. Donc, on est devant un mécanisme où, au contraire, il faut augmenter les salaires, parce que la raison pour laquelle vos cotisations sont basses, c'est premièrement parce que il n'y a pas d'augmentation des salaires, et on le verra d'ailleurs dans le déficit des retraites, comment l'État se défausse en prévoyant pour 2030 de ne pas augmenter les salaires, donc on explique qu'il y aura moins de recettes pour la Sécu, pour les retraites, donc elles seront en déficit. Toute cette logique, elle est en permanence. De la même manière, s'il y avait une égalité salariale entre les hommes et les femmes, on équilibrerait mieux nos régimes de protection sociale. Merci, Monsieur Canevet, pour explication de vote.